Alors, le sujet du jour, me mettre à ta place. Eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant cette période de confinement, on s'est tous fait la réflexion qu'on n'a pas vécu le même confinement selon le lieu où on habite et selon nos possibilités physiques et mentales d'y faire face. On s'est aperçu avec les copains de Conf Kids que finalement, dire ça, eh ben, c'était une métaphore, c'était une image de la vie elle-même. On ne traverse pas la vie de la même façon selon le corps qu'on habite. Et si on veut construire une société qui soit plus accueillante, plus ouverte, plus facile d'accès pour tout le monde, ben, il faut comprendre et mettre des mots sur nos différences. Et c'est ce qui nous permet de nous mettre à la place les uns des autres et du coup d'être capable d'interagir, de nous connecter les uns aux autres. On l'a fait avec Guillaume Capelle pour ceux qui étaient là. On a parlé de ce que signifiait migrer ou être migrant. On l'a fait avec Vincent Houba grâce à la communication non violente. Et ben, aujourd'hui, on va le faire à propos des handicaps. Les personnes qui avaient un corps ou un esprit qui fonctionnait différemment pendant très longtemps, elles ont été appelées handicapées. Et puis on les a décrites comme des personnes qui étaient déficientes, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas égales aux autres, qui étaient inférieures. Et puis il y avait aussi quelque chose d'irréversible dans cette idée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Et cette idée, eh ben, ça nous amenait à penser que c'était uniquement à ces personnes à s'adapter. En fait, c'était à elles de devoir faire l'effort de s'adapter au monde. Et puis en 2005, vous voyez, c'est très récent, on en a parlé autrement. On a parlé de personnes en situation de handicap. Et cette nouvelle façon d'en parler, la situation de handicap, elle a permis de comprendre que ces personnes, avec des professeurs et des exercices spéciaux, elles pouvaient évoluer. Au même titre que nous tous, on peut évoluer et on peut progresser. Et puis, on n'a pas seulement parlé de la personne elle-même grâce à ça, on a parlé des limites, des difficultés que cette personne, elle peut rencontrer dans la société, à l'école, au travail. Et ces difficultés, elles n'existent pas seulement à cause du handicap lui-même, elles existent aussi parce que quand on a construit le monde, quand on a élaboré les enseignements, l'école, les outils, les jouets, les jeux, quand on a construit les bâtiments, eh ben, on n'a pas réfléchi aux différences des uns et des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est donc qu'on peut faire changer le monde, au moins en commençant par en parler déjà, et puis aussi nous tous, en changeant notre vision des choses. Et on sait qu'il faut commencer tôt parce qu'on sait que si on arrive à le faire changer dès l'école, eh ben, on arrivera à le faire changer dans le monde des adultes. Donc, on a invité plein d'intervenants aujourd'hui, plein de personnes qui travaillent tout au service de personnes en situation de handicap. Et puis, chacun va nous aider à imaginer ce que ça signifie d'être dans cette situation quand on est à l'école, quand on est dans une entreprise, quand on est en voyage, en vacances, à une fête, etc. Et on va commencer avec Brigitte Michalon. Alors, Brigitte, elle fait du théâtre. Salut, Brigitte. Tu es avec nous. Hop, faut que tu branches ton micro. La désactiver. Super. Salut Brigitte. Brigitte, elle fait du théâtre et le théâtre, c'est un très bon outil pour rentrer dans l'histoire, dans la peau d'un autre personnage. Et puis aussi, Brigitte, elle a un joli secret, un secret extraordinaire qu'elle va nous partager. Voilà. Brigitte, tu nous racontes un petit peu qui tu es? Je suis une mère grand et que vous me voyez, mon mari, enfin, vous ne voyez pas mon mari, mais mon mari et moi, nous avons 3 enfants et 5 petits-enfants, dont une extraordinaire, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, au milieu, effectivement, c'est moi toute petite. Je suis tombée dans les livres quand j'étais toute petite et je suis devenue enseignante. Ça a été une vocation pour transmettre mon goût pour les mots. Maintenant, je suis retraitée et du coup, je fais partie d'une compagnie théâtrale, Le Point du Jour. Cela me permet d'aller à la rencontre des autres. Cela me permet d'apprendre à connaître surtout des gens différents. Pour moi, c'est important. Et pour interpréter un personnage, donc vous voyez, vous voyez 2 ou 3 photos là, une avec un masque, parce que quand on fait du théâtre, eh ben, on porte un masque, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'en est un qui vient de Venise, je vous montre. Et on doit pouvoir s'exercer et faire quelques petits exercices dont je vais vous parler. Donc je vais vous lancer des petits défis pour commencer, 4 petits défis qui permettent aussi de travailler pour monter en scène un jour. Et en fait, je vous avoue que j'ai plus le trac là aujourd'hui que quand je suis sur une scène, parce que je ne vous vois pas, je n'ai pas les retours, donc on va faire avec. Mais on Voilà. est tous là, on est tous derrière toi. Alors, le premier défi que je vous propose, c'est un défi d'imagination. Donc, quand on fait le théâtre, il faut qu'on ait un petit peu d'imagination pour pouvoir utiliser des objets autour de soi, etc. Donc là, je vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous Alors, les allez. enfants, n'hésitez pas à nous répondre dans le question-réponse ou alors vous levez la main, mais sinon, dans le question-réponse, dites-nous qu'est-ce que vous voyez là? Alors, on nous répond tout de suite un bec, un œil. OK? Très bien. Un bec, un œil, un nez, un bec. Bon, beaucoup de gens voient, beaucoup d'enfants voient un bec. Très bien. Alors, effectivement, c'est peut-être le nez et le bec, la première représentation. On peut aussi voir un coude.
Ouais, on nous dit un angle, ce qui correspond à un coude aussi. Hein. Alors bien sûr, un angle, un morceau de triangle aussi. On peut voir une extrémité d'un toit de maison. On peut voir un bateau, la voile, l'angle de la voile d'un bateau. Et puis, on peut voir plein d'autres choses parce qu'on a chacun un point de vue différent sur ce qui nous entoure, et sur ce que nous voyons, ce que nous entendons. Quelqu'un nous a répondu une patte d'oie. Voilà, l'imagination différente les uns des autres, on a une patte d'oie. Voilà, bah, écoutez, oui, et puis on a aussi des pattes d'oie là aux yeux et des rides quand on est une mère grand. Voilà. Alors, je vous propose un deuxième défi. Et là, vous allez vous lever, si votre corps le permet. Vous mettez debout sur un seul pied, comme une cigogne. Et vous comptez lentement jusqu'à 10. En fait, c'est, je crois, Déborah qui va compter. Allez, je compte. Comme une cigogne. Exactement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À toi, Brigitte. Alors, est-ce que ça vous a paru facile, difficile? Bon, vous pouvez répondre dans le question-réponse si vous voulez. Moi, je suis tombée. Alors, un troisième défi, c'est un défi, cette fois-ci, d'écriture. Alors, toujours si vous y arrivez, si vous, votre corps le permet, vous prenez une feuille de papier et un crayon, comme Déborah vous l'a demandé tout à l'heure. Vous tracez une ligne. Alors, je vous laisse un petit moment juste pour tracer un trait horizontal. Vous écrivez sur la ligne « Bonjour ». Puis, vous fermez les yeux, sans tricher, et sur la même ligne, vous écrivez de nouveau « Bonjour ». Alors, en attendant que vous écriviez « Bonjour », juste pour vous dire, au défi de la cigogne, tout le monde a répondu « Facile ». Il y a même Noé qui nous a dit « Très facile ». Samaria, facile. Anaïs, facile. Cécile, facile. Alors, moi, je n'ai pas essayé, là, hein, devant vous, parce que si je m'étais cassé la figure, ça serait trop rigolo. Mais bon, en principe, j'y arrive encore. Alors, vous avez écrit « Bonjour », là, normalement. Et là, on doit comprendre quoi, Brigitte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, maintenant, vous ouvrez les yeux. Enfin, je suppose que vous les avez déjà ouverts depuis un moment. Et vous comparez les deux mots que vous avez écrits. Et si c'est comme moi, donc vous voyez un petit peu le résultat. Donc, bonjour, bien écrit, les yeux ouverts. Et les yeux fermés, complètement de travers. Voilà. Donc, bien sûr, avec la difficulté quand on voit. Alors, un dernier défi, c'est un défi d'élocution. Parce qu'au théâtre, il faut, bien sûr, articuler. Il faut bien prononcer. Il faut maîtriser sa voix. Et donc, si votre corps le permet, si vous pouvez le faire, vous répétez. Piano, panier, très vite, plusieurs fois. Donc, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Alors, je vais essayer, mais on a déjà essayé pendant les répétitions, je n'ai pas réussi plus de deux fois. Piano, panier, piano, panier. Bon, en plus, j'ai Elaya derrière moi qui le dit en même temps, ça n'aide pas. Si ça vous amuse, vous pouvez retrouver d'autres exercices de vire-langue. Ça s'appelle la vire-langue, c'est-à-dire on fait tourner la langue dans la bouche pour arriver à prononcer, à articuler. Alors, on va voir un petit peu des correspondances. Je vous ai annoncé que j'avais une petite fille extraordinaire. Donc, on va voir des correspondances avec des situations de handicap. Et vous avez réussi ou non à relever les défis. Il y en a qui sont bien arrivés, d'autres, c'était un peu plus difficile à certains moments. Mais, en fait, certains enfants ont des caractéristiques extraordinaires. Certains ont du mal à réfléchir, à imaginer, et on parle à ce moment-là d'un handicap intellectuel. D'autres se déplacent en fauteuil roulant et on parle à ce moment-là d'un handicap physique. Alors, ça peut vous arriver hein, d'avoir une jambe cassée et de vous retrouver en fauteuil roulant et de voir un petit peu la difficulté que ça représente. D'autres sont aveugles, non-voyants. On parle d'handicap visuel à ce moment-là et de cécité quand on ne voit pas du tout ou on peut dire malvoyant aussi. Donc, je crois que Sadia nous en parlera tout à l'heure. Et enfin, d'autres ont des difficultés à parler. Et à ce moment-là, on parle de handicap verbal, de dysphasie. Alors, l'aphasie, aphasie, c'est quand on ne parle pas du tout, quand on est muet. Mais dysphasie, c'est quand on a de la difficulté à parler. Et je crois aussi qu'on va parler tout à l'heure, on va le préciser maintenant ce terme, des personnes qui sont non-verbales. Donc, quand on va parler tout à l'heure de non-verbal, c'est comme ce que vient de dire Brigitte, c'est aphasie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. C'est ça ? Alors, quand on est entièrement, oui, non-verbal, entièrement, oui, c'est ouais. Ça. Voilà. Donc, ça vient de dys, qui veut dire difficile, et puis de phasis, qui veut dire la parole. Donc, c'est une explication du mot dysphasie.
Alors, pour ça, je vais vous l'illustrer par une petite vidéo que je vais vous montrer de notre petite fille Isaé, donc, qui est justement dysphasique. Oh, pardon. Alors, attendez. Voilà. Hop. Mais, vas-y, ça marche. Je vais voir. Je dessine. Après. Je mange. Je lis. Je aboie. Je saute. Non, mais je ne sais plus. Je joue. Je la vois. Je téléphone. Je c'est quoi ça? Je travaille. Très bien. Continue, chérie. Après. Je c'est quoi? Hein? Prends une bain. Je fais. Ouais. Je non, je sais. Oui, vas-y. Je chante. Je la 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 la. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je danse. Ouais. Je nage. Voilà, donc c'est notre petite fille Isaé qui a 12 ans et donc qui s'aide avec les pictogrammes Makaton, mais je vous parlerai des outils par la suite. Voilà, donc vous avez vu, elle s'aide aussi de la langue des signes parfois pour faire le geste, travailler notamment. Alors, on va essayer quand même de parler un petit peu de ordinaire et extraordinaire. Donc, on a, Déborah l'a dit tout à l'heure, un enfant qui n'est pas porteur de handicap, ben on va l'appeler un enfant ordinaire, ce qui ne veut pas dire banal, mais ce qui veut dire qu'il n'est pas porteur du handicap, il n'est pas dans une situation de handicap. Et un enfant en situation de handicap, on peut l'appeler un enfant extraordinaire. Et vous connaissez peut-être, vous, dans votre entourage, justement, des personnes jeunes ou moins jeunes hein, qui sont extraordinaires dans votre entourage à l'école. Ce qui ne veut pas dire que vous, vous n'êtes pas aussi parfois extraordinaire, bien sûr. En fait, l'idée, grâce à ces mots aussi, c'est d'arrêter d'utiliser des termes comme normal ou pas normal, ou valide ou invalide. Et puis, c'est vrai que dire une personne en situation de handicap, c'est long dans une phrase. Et ordinaire et extraordinaire, c'est à la fois joli, utile et c'est plus proche de la réalité. Tout à fait. Alors, je vais vous parler justement de notre petite fille, Isaé, qui est une petite fille extraordinaire. Voilà quelques photos d'elle à la naissance, ou très peu de jours après, un petit peu plus tard, encore après, et maintenant, donc Isaé, qui a une douzaine d'années. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse aux enfants extraordinaires? Justement, parce que notre petite fille, Isaé, est extraordinaire. Alors, d'une part, elle est dysphasique, ce qui la gêne dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire que dysphasique, elle n'est pas muette, mais elle ne trouve pas les mots. Ce qui m'arrive assez souvent à moi aussi, hein, ça nous arrive parfois de chercher les mots, on ne trouve pas le mot exact. Mais elle ne trouve pas les mots, sauf quand il y a un support dont on va parler tout à l'heure. Alors, elle progresse d'année en année, de jour en jour, et c'est toujours un bonheur de la voir. D'autre part, elle est hypersensible aux émotions de son entourage. Elle est hypersensible aussi à la musique et au chant. Et une des phrases qu'elle sait le mieux répéter, c'est « Je t'aime, je t'aime ». Je t'aime. Elle est aussi très volontaire et un des premiers mots qu'elle a su signer, c'est le mot travailler, qui se fait comme ceci, travailler. Donc elle nous donne une leçon de courage et elle nous émerveille. Et on lui a même donné un petit rôle dans une pièce de théâtre. Quand on l'a vue avec sa joie d'être en scène, ça nous faisait plaisir, bien sûr, à voir. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler d'elle et de parler donc de ce qu'est un enfant extraordinaire.
Donc, en fait, c'est un simple témoignage de mamie d'une enfant extraordinaire. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais voilà. Je voulais partager. Et c'est aussi un témoignage de progrès et de la façon dont chacun s'est adapté, aussi bien la société, mais tu vas nous expliquer dans un instant, finalement, comment on évolue quand on est un enfant extraordinaire et de combien de personnes on a besoin pour pouvoir justement faire tous ces progrès. Ce n'est pas que le témoignage d'une grand-mère. Bien sûr. Et puis, ça m'a permis justement de découvrir beaucoup, beaucoup de personnes qui se spécialisent dans ce domaine. Alors, j'ai retenu « stimulation et plaisir ». C'est une phrase d'un neuroscientifique, Pierre-Marie Liédot, qui nous a parlé donc de toujours proposer et dans la joie. En fait, c'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les enfants en situation de handicap. Et donc, on est entouré d'aimants, de gens qui nous aiment. Et ça, c'est très important. Alors, vous, à la maison ou en classe, de qui est-ce que vous avez besoin pour vous lever, pour vous laver, pour vous habiller, pour manger, pour boire, voilà. Vas-y, Brian, n'hésite pas. Continue. Alors, souvent, bien sûr, c'est la famille, c'est la maman, le papa, enfin, ou la petite sœur. Dans le cas d'Isaïe, elle a une petite sœur. Et là, donc, je vous ai mis une photo justement des 5 cousins que vous avez déjà vus sur la première diapo. Donc, il y a à la fois Isaïe au centre, Mélie, sa petite sœur qui est à côté, et les 3 autres sont Sila, Oumi et Tilio, qui sont ses cousins et qui sont aussi très, très bienveillants à l'égard de leur cousine. Alors, on a besoin d'amis, bien sûr, et on a besoin d'enseignants. Et Isaïe a eu beaucoup de chance avec des enseignantes vraiment qui nous ont portées, qui nous ont aidées et appris énormément de choses. Alors, voilà pour le cas général, sauf que quand on est en situation de handicap, on peut avoir besoin aussi de beaucoup d'aidants. Et les aidants vont être, par exemple, l'enseignant spécialisé. Donc là, c'est ce que je vous disais. Notamment, je peux citer Camille ou Géraldine, qui ont été vraiment des personnes formidables. Orthophoniste Christelle, qui a été aussi très, très active, qui nous a apporté beaucoup de choses. Après, des psychomotriciennes, donc aussi qui aident, ergothérapeutes. Et on peut dire aussi, donc non seulement on a besoin d'aidants, mais il faut aussi trouver des lieux pour accueillir ces enfants. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure d'Ulysse avec Lydie, ou d'intégration, ou dans les écoles. Vous savez ce que c'est, les enfants, Ulysse? Normalement, ça devrait vous parler parce que c'est... C'est quoi, c'est ça? C'est les classes spécialisées, c'est ça? Alors, c'est une unité localisée d'inclusion scolaire. Voilà. Il y a un jargon vraiment qu'il faut arriver à comprendre. Déjà, la MDPH aussi, au départ, c'était quelque chose de mystérieux pour nous. Donc, au fur et à mesure, on découvre des mots. Il y a des mots et des listes de mots à comprendre. Voilà. Donc, il faut aussi trouver où l'enfant peut être accueilli. Ce qui est aussi parfois un long chemin. Alors, pour les parents, c'est parfois difficile donc de trouver où mettre leurs enfants, comment s'organiser, vers qui se tourner, et de connaître aussi simplement le handicap et le diagnostic. Il n'y a pas forcément de diagnostic pour les enfants qu'ils ont. Pour l'entourage, ça peut être difficile aussi. Et puis, mais par contre, c'est une source de grand, grand, grand bonheur quand on peut aider et voir s'épanouir ces enfants, quand on les voit progresser, quand on les voit se réjouir, vraiment c'est... Voilà, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots pour vous le dire. Alors, on va parler maintenant des outils. Oui, tu trouves pas les mots. Alors, peut-être qu'il y a là-dedans un... Voilà, exactement. Donc, dans les outils que je vous propose, il y a tout d'abord les pictogrammes. Et je vous cite le parler picto qui est le... Il y avait tout à l'heure Macathon. Là, c'est un parler picto. Il y a beaucoup de pictogrammes. Donc, picto veut dire dessiner et peindre. Donc, voilà. Donc, je vous en ai montré quelques-uns ici. Bien sûr, le cœur. Voilà, donc on prend des images parce que les images vont permettre de trouver les mots. Ça va appuyer, c'est comme quand on voit un objet, on peut nommer plus facilement quand on a une image devant soi. Alors, c'est pas un rébus en fait, hein, c'est ça? C'est pas un rébus. Pas un rébus. Il y a un mot qui est caché derrière cette image en fait. Par exemple, le vélo, c'est vraiment faire du vélo? Alors, c'est faire du vélo ou c'est le vélo? C'est l'un ou l'autre, comme vous voulez. Alors, il y a le mot faire aussi que j'aurais pu rajouter, mais j'ai pas voulu faire une vraie phrase là. Alors, vous avez le cœur, donc c'est j'aime, faire du vélo. Ce signe-là,
Je ne sais pas si je le montre bien à l'écran. C'est on voit bien. Avec ou ensemble. Avec ou ensemble. Donc, avec, vous avez une famille avec une petite, c'est la petite sœur, donc avec ma sœur, dans un jardin. Et voilà, vous avez compris ? C'est clair. Vous avez compris ? Avec le dernier picto, donc c'est « j'ai compris ». Pour vous montrer comment on peut utiliser des pictogrammes, c'est ce que vous avez vu dans la première vidéo d'Isaé, hein, qui lit « je chante, je danse », etc. Alors, un autre outil, c'est le langage Borel-Mézoni. Et là aussi, je vais vous montrer une petite vidéo, donc très rapide, d'Isaé qui lit à l'écran les mots qui sont à gauche. Bon sang, pardon, ça fait pareil que tout à l'heure. Voilà. Lama, 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 très bien, ma chérie. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Il va être quoi? Alors, c'est pas me, c'est ma. Oui, oui, oui. Marie. C'est qui Marie? C'est qui le mari? C'est maman. Et Diane. Ouais. Et c'est qui mon mari? C'est Malek. Ben oui. Malek, oui. Alors continue. Quand on va au restaurant, qu'est-ce qu'on dit? Re. Non. Mais. La première lettre, refais-la. Le. Oui. Nu. Menu. Oui, menu, menu. Hein, comme ça, on sait ce qu'on va manger. Et alors après? En dessous, c'est midi. Oui. À quelle heure on mange? 5 heures. Voilà. Donc, Isaé, vous avez vu les gestes qu'elle faisait. À chaque son correspond un geste. Voilà le i, par exemple, le o. Et vous trouverez donc ce langage aussi dans la ressource. C'est le langage Borel-Mézoni. Mais certains d'entre vous l'ont peut-être utilisé aussi quand ils ont appris à lire. Il y a beaucoup d'enseignantes qui l'utilisent, d'enseignants qui l'utilisent en CP. Voilà. Alors, donc, c'est une question d'accès, quoi, au final. Pardon ? C'est une question d'accès, en fait. C'est une question de réussir à trouver un moyen d'adapter pour pouvoir développer tout ça. Et comment on ouvre ces accès, alors ? Comment on ouvre ces accès ? C'est-à-dire, je t'introduis ta slide suivante, en fait. Ah, pardon. Alors. Voilà, 4 petits coins de rien du tout, c'est un livre que vous connaissez peut-être et qu'on a adapté. Alors, on est dans une école, vous voyez tout autour donc les enfants qui jouent dans la cour, de couleurs différentes. Peut-être que vous remarquez autre chose que la couleur. Et la cloche sonne. Il faut rentrer dans l'école, donc les enfants se mettent en rang, ça vous connaissez aussi. Et voilà, tous sont rentrés dans l'école, sauf le petit violet que vous avez vu plus haut, qui était carré, alors que tous les autres sont ronds. Et si vous avez bien regardé, vous avez remarqué que la porte de l'école est ronde. Et donc, que seulement les enfants qui sont ronds peuvent y rentrer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire tout simplement pour adapter la situation ? Eh bien, on coupe les 4 petits coins de rien du tout qui sont autour de la porte ronde et ça permet au petit violet de rentrer et de rejoindre les autres. Voilà, donc Lydie, tout à l'heure, vous parlera d'école justement inclusive et ça sera une illustration aussi de ce qu'on peut faire à l'école pour accueillir tous les enfants. Voilà, parfois, il suffit de peu de choses. Donc, en conclusion, il faut apprendre... Il faut aimer, il faut apprendre à connaître, à comprendre, à changer notre regard, à changer de comportement. Il faut essayer de construire une société plus bienveillante, plus accueillante, comme dans l'école que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour y arriver, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être solidaire, il faut être ensemble. Il faut être solide, solidaire, c'est solide, c'est robuste. Et il faut être aussi confiant, donc il faut garder la confiance. La confiance en l'enfant, la confiance en la société, la confiance en nous tous. Et l'essentiel, c'est donc pour tout le monde l'amour et l'acquisition d'une certaine autonomie.
et je dirai un jour à Isaïe, prends ma voix et trouve ta voix. Voilà, et moi je suis en train de perdre la mienne. Maman d'Emeric, et voilà, je suis aussi enseignante spécialisée et j'ai créé le réseau Epsilon à l'école pour développer du soutien scolaire pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et puis je vais laisser Emeric se présenter tout seul. Bonjour, moi je m'appelle Emeric Laurent, donc voilà, donc je suis le fils de ma maman. Quand j'étais petit, j'étais diagnostiqué autisme sévère, donc à l'âge de 3 ans à peu près, on a appris. Alors pour aujourd'hui, je m'en sors bien, je travaille au Golfe d'Evian, je suis en première AP, je fais un apprentissage paysagiste. Pour en arriver là, j'ai dû travailler 3 fois plus que les autres dans mon passé. Donc j'ai dû faire beaucoup d'APA avec des méthodes pédagogiques. C'est ça qui m'a aidé à progresser. Donc j'ai commencé à apprendre à parler avec des images. Pour pouvoir parler, j'ai beaucoup appris à parler avec des images. Et puis on a aussi des méthodes de renforcement, comme le plaisir, donc avoir des petites récompenses de temps, donc du travail tant que ça, et puis tu as une petite récompense pour qu'on a envie d'aller plus loin. Voilà. D'accord. Et quand est-ce que tu as découvert, toi, Emeric, que tu avais envie d'être paysagiste? Tu as découvert il y a longtemps ou récemment? J'ai dépassé les victoires à chaque fois. J'ai été toujours plus loin que mes parents pensaient. Donc d'abord, j'ai fait l'école primaire normale, après le collège, puis un CAP et puis un bac. Et puis c'est au collège. Quand j'étais petit, j'étais déjà pas mal intéressé par tout ce qui était côté nature. Je entretenais un potager dans mon jardin. Et puis après, c'est la côté nature qui m'a intéressé. Et puis on m'a parlé du Golfe d'Evian, comme quoi ils étaient prêts à me prendre pour faire un apprentissage. Et j'ai commencé à CAP pour voir si ça allait me plaire ou pas. Et puis ça m'a plu et c'est pour ça que je me suis lancé sur un bac. D'accord. Donc en fait, un truc important aussi, c'est de partir de ce qui nous plaît, sans doute. Ce qui nous plaît. Alors, j'ai aussi quelque chose d'autre pour les parents qui ont des personnes avec des difficultés. Les efforts arriveront toujours. Il ne faut pas lâcher parce que parfois, on peut croire que l'enfant ne va jamais progresser. Mais en fait, c'est surtout du travail et pas lâcher parce que les efforts vont toujours finir par payer et apporter ses fruits. D'accord, merci. On entend le message. Je pense qu'en plus, c'est un message qui est valable très largement, pour le coup, pas que pour les personnes qui sont porteuses de handicap. On sait que le fait de discuter ensemble, d'interagir, de se connecter, de faire des choses ensemble, ça fait progresser tout le monde. Lydie, tu peux nous en parler un petit peu parce que je sais que c'est ta spécialité. Oui, alors est-ce qu'on va avec les diapos, les images, pas les images? Oui, ici, je vais partager ça tout de suite. Hop. Alors, attends. On va expliquer un petit peu comment on évolue dans le monde. Absolument. Hop. Nous y voilà. Alors, donc, dans la première image, donc sur l'exclusion, en fait, ça représente plutôt nos sociétés passées, quoi qu'il y a quelques exceptions dans le passé aussi, où on ne savait pas comment faire pour aider des enfants différents. Et donc, ils étaient à la marge de la société. Ils allaient ni à l'école et peut-être qu'ils restaient à la maison. On ne savait pas trop comment les soutenir. Alors, petit à petit, donc, par exemple, en France, c'est à l'époque de la Révolution française qu'il y a des personnes qui ont commencé à s'intéresser de savoir comment ils pouvaient faire pour aider des enfants à besoins particuliers. Et en France, ça s'est fait par des médecins. Et donc, il s'est créé tout un système d'éducation spécialisé, mais en dehors de l'école. Donc, c'est des enfants qui ont eu petit à petit droit à une éducation spécialisée, mais pas un droit à l'école. Donc, ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Alors,
Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en France, on est plutôt à l'heure de l'intégration, c'est-à-dire que les enfants à l'école en situation de handicap qui arrivent à se fondre dans le moule de la normalité, ils ont droit d'aller à l'école. Mais c'est beaucoup à eux de faire des efforts. Et on essaye petit à petit, là maintenant, de faire évoluer nos sociétés vers un monde, enfin, une école inclusive. C'est-à-dire une école qui soit capable de tenir compte des différences de tous les enfants. Et donc, pour vous donner un exemple, par exemple, quand on est dans l'intégration, une enseignante, une maîtresse de CP, elle aura une méthode pour apprendre à lire à tous les enfants de sa classe. Si on est dans l'inclusion, l'enseignante pourra avoir 10-20 méthodes et elle va choisir la meilleure méthode pour chacun de ses élèves. Les enfants pourront aller à leur rythme et on pourra vraiment répondre à chacun de leurs besoins. Donc, en fait, dans l'inclusion aussi, on voit que c'est notre société qui a besoin de se réorganiser pour que tout le monde puisse mieux vivre ensemble. Et oui, et pouvoir arriver à de l'interaction, des actions communes tous ensemble, où on sera capable de tenir compte des différences de chacun, mais aussi qu'on soit capable de prendre soin des uns et des autres et de s'aimer tous ensemble. Donc, pour terminer sur interaction aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas, l'objectif n'est pas de devenir comme les autres, mais de vivre avec les autres. Donc, pour ça, oui, on peut passer à la diapo suivante, expliquer un petit peu comment il se passe. Donc, au départ, on a souhaité l'égalité pour tous les enfants, c'est-à-dire tous les enfants vont à l'école en suivant les mêmes cours au même âge. Ils doivent suivre le programme de l'école, ils doivent avancer au rythme imposé par l'école. Alors, petit à petit, on s'est dit que ça, c'était pas quand même très respectueux de tous les enfants. Donc, on passe à l'équité. Ou du coup, vous avez vu avec les petites caisses, là, on va mettre des adaptations pour que tous les enfants puissent réussir. On va aussi, dans le terme du handicap, parler là de compensation. On va compenser les différences, faire en sorte de les gommer. Donc là, les enseignants déjà commencent à proposer des activités différentes aux élèves qui ont plus de difficultés. Mais ce qu'on pourrait rêver pour notre monde futur, c'est une école où toutes les adaptations sont normalisées. Et pour ça, je vais prendre un petit exemple. Par exemple, là, s'il y a un enfant qui a une... Je vais parler de dyspraxie. Donc là, c'est des difficultés avec les gestes. Souvent, ils ont besoin d'un ordinateur. Et pour avoir cet ordinateur, les parents doivent faire des mois et des mois de démarches administratives. Eh bien, si c'était normalisé, il y aurait suffisamment d'ordinateurs dans les écoles. Il y aurait des ergothérapeutes qui seraient directement à l'école. Et un enfant qui se casse le bras, qui a besoin d'un ordinateur pour quelques mois, ou qui est aussi en situation de handicap pour quelques mois, pourrait bénéficier de cet ordinateur. Donc, ça veut dire que pour tous les enfants, on considérerait qu'ils ont, tout le monde a des besoins particuliers. Et l'école ferait en sorte de choisir pour chaque enfant les meilleures stratégies. Et il y a quelque chose qui est en train d'arriver aussi dans notre monde, parce qu'au départ, on a eu droit à l'éducation pour tous les enfants. Et puis en France, on a eu en 2005 aussi le droit à l'école. Et maintenant, donc ça, c'est un mouvement qui nous vient des États-Unis. On parle de droit à une éducation efficace. C'est-à-dire que les enseignants, les éducateurs et toutes les équipes de soutien doivent s'organiser pour permettre à tous les enfants de réussir. Merci Lydie. Super intéressant. Et comment ça se passe? Parce que, alors, on parle de permettre effectivement à tous les enfants de réussir. Il y a déjà une chose, c'est dans la relation entre les enfants. Et là, j'aimerais bien entendre Aurélie sur le sujet. La relation entre les enfants, souvent les enfants quand ils essayent d'amener ces sujets-là à l'école, d'en parler, c'est souvent compliqué en fait. Alors bonjour à tous, moi juste pour me présenter, je suis maman d'une petite fille de 13 ans aujourd'hui qui a une trisomie rare, c'est pas la trisomie 21 mais c'est donc un champ de handicap comme on a présenté tout à l'heure qui est plutôt de la déficience intellectuelle, donc elle a du mal à apprendre, elle est plus lente que les autres. Elle a marché tard, elle a parlé tard et là, elle apprend à peine encore à lire malgré le fait qu'elle fasse beaucoup de progrès. Elle a toujours été à l'école depuis ses 3 ans et demi. Ça a été difficile. Hein. Pour autant, elle a toujours trouvé un univers scolaire qu'on a adapté et qu'on a cherché, qui ont été en tout cas très favorables dans son développement social, dans sa socialisation avec ses camarades.
les camarades, naturellement, quand ils étaient tout petits, étaient très bienveillants vis-à-vis d'elle. Donc, voilà, c'était une question dont je me posais pas la question, d'ailleurs, de savoir si ça allait bien se passer ou mal se passer. Visiblement, ça allait très bien se passer. Et puis, avec le temps, les choses se passaient un peu moins bien parce que les premières questions venaient. Et je me suis surtout aperçue que les enfants ne posaient pas beaucoup de questions, s'empêchaient de poser des questions. Ils étaient à côté de cette petite fille dans la classe qu'ils aimaient beaucoup. Mais ils n'osaient pas s'interroger de peur de faire de la peine, sûrement. Et puis parce que à l'école, il n'y avait pas d'ouverture vers ce genre de possibilité de parler de ça. Les maîtresses n'étaient pas très à l'aise. Donc, elles évitaient, je pense, sans le dire, mais on évitait les questions. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de trouver aussi des univers à l'école, surtout quand on est en présence d'enfants différents, et bien d'avoir des lieux, des endroits. Et je pense que l'école, c'est le meilleur endroit. Hein, c'est le premier lieu où on socialise. En fin de compte, c'est le premier lieu de société qu'on côtoie quand on est enfant. C'est, je pense, important de pouvoir en parler, de pouvoir poser des questions, s'interroger, dire qu'on a peur, dire que... Et c'est bon aussi, je pense, pour l'enfant, quand c'est bien encadré, même si c'est lui qui est en situation de handicap, et bien d'entendre aussi les interrogations qu'on a sur lui, et puis de permettre aussi de lui répondre ou de poser les questions qu'il se pose aussi sur les autres enfants, parce qu'il a les mêmes questions en retour. Hein, on a Thomas qui nous dit « Nous sommes tous l'autre de quelqu'un ». C'est-à-dire que pour tous les uns et tous... Enfin, oui, exactement. Mais il n'empêche qu'on parle assez peu, en fin de compte. Voyez, les enfants savent tout ça, en fin de compte, intuitivement. Mais je pense qu'en parler, poser vraiment une parole, guider là-dessus, ce serait vraiment bénéfique pour tous. Voilà, et je pense que ça manque. Moi, j'ai appris aussi à parler aux autres de mes difficultés, donc un peu à casser la peur pour que les autres comprennent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à dire nos difficultés parce qu'on a peur de se faire moquer ou des choses comme ça. Mais moi, en fait, je trouve qu'en les dit, il y a des avantages un peu comme des inconvénients. Mais ça, voilà, c'est un peu comme toute chose. Mais au moins, ça, les autres peuvent comprendre ce que tu as comme difficulté et puis tu peux communiquer avec les autres pour mieux t'intégrer. Parce que si tu enlèves, si tu arrêtes d'écouter ta peur et que tu dis les difficultés que tu as, les autres, ils vont pouvoir peut-être t'aider à t'intégrer ou des choses comme ça et te guider le bon chemin pour pouvoir sociabiliser avec les autres. Et puis après, il y a un autre travail qui fait ça aussi, donc c'est le CESAD et OVA, tout ça, qui apprend aussi quelque part à communiquer avec les autres. Donc c'est un travail, donc on va faire des sortes de bulles et puis on va commencer à écrire quelque chose en forme de question et puis après on va essayer de créer une sorte de discussion, des entraînements pour qu'après on arrive à discuter avec les jeunes de toute société. Merci Aymeric. Alors justement, moi je vais utiliser ce que tu vas dire, je voudrais rebondir. Sadia, tu es avec nous? Je suis. On m'entend. Oui, on t'entend. Coucou Sadia. Super. Sadia, toi, tu aides des personnes justement en situation de handicap dans leur travail pour avoir confiance en elles, pour ne pas hésiter à y aller. Justement, là, Aymeric, qui nous a parlé du fait de dépasser sa peur. D'ailleurs, c'est un sujet qui concerne ça aussi de façon très largement tout le monde. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais? Tu peux nous coacher, nous, en fait? Vas-y, coach-nous comme tu veux avec les personnes avec qui tu le fais. Exactement. Alors moi, dans mon accompagnement, parce que j'ai une expérience de handicap, depuis 38 ans, je suis atteinte d'une maladie orpheline. Orpheline, c'est une maladie rare. C'est-à-dire qu'on est très peu en France à avoir cette maladie. On est 140. Et c'est une maladie qui est évolutive. Donc, ça veut dire que dans le temps, il y a des handicaps qui apparaissent et je suis devenue malvoyante il y a 5 ans. Donc le handicap invisible, donc celui qui ne se voit pas physiquement, plus le handicap visible qui est apparu il y a 5 ans, donc ma vue, j'ai décidé d'accompagner les personnes déjà
à s'accepter soi-même. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Accepter ses différences, accepter le fait qu'on ne peut pas tout faire et déterminer ses vraies limites, ses limites physiques, ses limites intellectuelles, mentales, et travailler avec ses compétences propres. Ces compétences, ça veut dire, quand vous êtes enfant, vous êtes des fois plus fort en maths qu'en français. Donc, vous allez être beaucoup plus patient, beaucoup plus, vous mettre beaucoup plus de motivation par rapport aux maths parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Et dans l'accompagnement que je fais avec les personnes en situation de handicap, c'est que je prends ce qu'ils aiment beaucoup pour pouvoir trouver soit une activité professionnelle ou une passion dans laquelle ils puissent justement devenir heureux dans tout ce qu'ils font. Et le but de n'importe quel être humain, que ce soit un enfant, un adulte, une personne en situation de handicap, peu importe, c'est d'être heureux dans la vie. Donc quand moi j'accompagne ces personnes-là, c'est justement accepter ce qu'ils sont avec leurs limites et créer leur vie et leurs rêves, en fait, réaliser leurs rêves comme ils l'ont toujours voulu. Voilà ce que je fais, en fait. Merci, Sadia. Merci beaucoup. Alors, les enfants, n'hésitez pas à lever la main, à échanger avec nous, à nous mettre des remarques. Je vais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire. Je voudrais entendre Damien, parce que du coup, tu as parlé de réaliser ses rêves et puis d'aller de l'avant. Alors, souvent, il y a, je pense, beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont en situation de handicap ou qui le sont eux-mêmes, qui se posent la question de comment on va faire pour trouver un travail par la suite, où est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer. Donc, on a vu qu'Emeric, il a trouvé sa voie et il la creuse et il avance chaque jour. Toi, Damien, tu es un spécialiste des personnes, de l'intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Oui, exactement. Merci, Déborah. Donc, bonjour à toutes et à tous. En effet, alors, je serais tenté de dire qu'il y a un cadre légal en France qui maintenant oblige les entreprises à avoir un certain pourcentage de collaborateurs en situation. Un cadre légal, il va falloir préciser, pardon. Une loi, voilà. Une loi. Il y a une loi en France donc, qui oblige les entreprises à avoir dans leur effectif, donc, c'est-à-dire parmi leurs salariés, un pourcentage de personnes en situation de handicap ou de personnes handicapées. Donc ça, ils doivent avoir quand l'entreprise a plus de 20 collaborateurs, mais je vais vous épargner la loi, c'est à partir de 20 collaborateurs, ils doivent avoir 6% de leur effectif. Donc là, il y a vraiment une obligation là pour les entreprises de ce point de vue-là. Néanmoins, le fait d'avoir cette loi-là, ça ne facilite, on va dire, un petit peu, mais pas tant que ça, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi un retard qui est fait de la part de nos instances, et particulièrement sur l'aspect formation. Alors, un retard qui est comblé, hein, j'en suis bien conscient. Il y a des améliorations de jour en jour. On parlait de société inclusive tout à l'heure, ou de monde inclusif. Un monde inclusif, c'est un monde qui est sans privilèges, sans exclusivité, sans exclusion. En fait, c'est exactement ça le résumé d'un monde inclusif, d'une société inclusive. Donc, ça peut se faire à sa propre échelle, hein, la cellule familiale, la cellule amicale, et bien évidemment, après, dans l'école, dans l'aspect scolaire et entreprise. Pour en revenir et pour recentrer sur l'aspect des formations, bien évidemment qu'il y a des efforts qui sont faits, et fort heureusement, de plus en plus, maintenant, il y a une obligation de la part des centres d'apprentissage, quels qu'ils soient, qu'on soit sur du CFA, mais aussi les lycées, les études secondaires et autres, universités. Plein d'organisations différentes. Exactement, ouais. Avec l'obligation maintenant de proposer une accessibilité à l'ensemble de leur formation. Quand je dis accessibilité, c'est accessibilité physique, donc à leur bâtiment. On parlait tout à l'heure de personnes en fauteuil roulant, c'est-à-dire que la personne en fauteuil roulant puisse accéder aux salles de classe, puisse accéder au bâtiment, mais aussi une accessibilité, on va dire, intellectuelle et numérique. C'est-à-dire que pour le coup, que les outils soient réellement accessibles, peu importe le handicap. C'est-à-dire que l'on soit en cécité, comme peut l'être Sadia, que l'on soit, enfin, quand l'on ait, toute forme de handicap, qu'on puisse accéder à toute forme de formation de telle manière à ce que demain, on puisse faire l'ENA si on en a envie, qu'on puisse faire Sciences Po si on en a envie, mais qu'on puisse faire aussi être boucher, être boulanger, être, que sais-je, poissonnier, être éboueur, parce que tout à chacun, on peut avoir des envies complètement différentes et c'est ce qui crée notre richesse et c'est cette richesse-là qu'il faut entretenir.